Et donc, yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, ça va être un room tour dans ma chambre, les gars. Donc je vais faire visiter ma chambre, les gars. Donc c'est une vidéo que je vais faire chaque année. Donc c'est une vidéo 2020, les gars. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer ma chambre. Donc c'est parti. Donc les gars, ma caméra va beaucoup bouger parce que j'ai pas de choses pour tenir mon téléphone, les gars. Donc là voilà. Donc là on va commencer. Donc là on a l'armoire, les gars. Donc l'armoire, on met mes affaires dedans et tout ça. Donc voilà. Donc ça a un truc assez cool. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon armoire, les gars. Voilà. Donc ensuite on se retrouve avec mes constructions de Lego, les gars. Donc en fait j'ai des caisses remplies de Lego, les gars. Donc maintenant j'y joue plus trop, mais voilà. Bon, en fait je joue en fait au cas où quand je m'ennuie et tout ça. Donc c'est des constructions qui sont assez sympathiques, les gars. Donc voilà, donc là par contre il y a un truc assez défoncé, je sais pas du tout. Donc voilà. Donc là ensuite, bon là je fais un peu de sport, ouais, bon voilà. Hop. Ensuite là on se retrouve donc une petite armoire, j'irai, des caisses. Donc là on met donc là il y a des nerfs, voilà. Donc moi j'y joue plus non plus, voilà. Donc ça c'est des nerfs, les gars. Donc ensuite ça c'est des médailles, voilà, des médailles que j'ai gagnées à l'athlétisme et au badminton, les gars. Donc voilà, des médailles assez sympathiques, voilà. Ensuite là j'ai des doudous, donc pour faire la déco de mon bureau qui est assez franchement mon bureau c'est le meilleur de ma chambre, franchement qui est super sympa. Donc là sur mon bureau, donc là on a des livres, des jeux de PlayStation et tout ça. Donc là c'est là où je range ma télécommande, mes écouteurs, deux paires d'écouteurs et des manettes. Donc là c'est mes dessins, ce que je dessine, hein, donc, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Donc après là il y a mon ordinateur, les gars. Donc je vous donne pas une performance go si vous l'achetez. Donc déjà c'est un Asus, les gars. Donc la carte graphique c'est une c'est une GTX 1050 Ti, les gars, avec le processeur Ryzen 5 avec 8 Go de RAM, voilà. Après là c'est j'ai une caméra, les gars. Donc là on la voit pas trop parce qu'on est dans l'ombre. Donc là bon, je mettrai la caméra, le lien dans la description. Donc là on la voit de loin, voilà. Parce que là en fait c'est un peu il y a de la lumière, mais là on voit pas. Ensuite là c'est un casque clim, les gars. Un casque clim que j'ai eu pour Noël. Donc qui est assez cool. Donc je fais toujours mes vidéos avec. Là il y a ma PlayStation avec ma télé, voilà. Ensuite là il y a mes feutres pour quand je dessine, quand je fais des live dessins avec vous et tout ça, bah j'utilise ces feutres. Donc bientôt je pense que je vais m'en racheter parce qu'il y en a certains qui marchent plus bien, comme le rouge, le noir et tout ça. Et là donc là je dessine des trucs, des plans pour m'en souvenir ou des choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Après là j'ai encore ma petite lampe. Ah bah tiens, on pourra peut-être voir la caméra, tiens. Ah oui voilà, donc là vous voyez la caméra, donc c'est une Logitech avec du 1080p avec 60 fps, les gars. Et là c'est une un casque clim, voilà. Hop. Avec ma PlayStation et tout. Donc qui est assez sympathique. Donc après derrière là j'ai aussi mis des LED, mais là on voit pas, donc je suis désolé. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ensuite là. Donc là j'ai plein de BD. Donc je lis des BD, voilà. Des BD assez cool. Ensuite là j'ai une grosse carte du monde, franchement assez nice, hein. Perso voilà. Ensuite donc là il y a un petit, on va dire un petit meuble, voilà.
Donc là où il y a des BD pour les enfants, je sais même pas ce qu'il y a ça fout dedans. Ensuite là j'ai mis des petites figurines de McDo pour faire assez stylé. Donc là j'en ai mis 3 de côté et 3 de l'autre. Ensuite là il y a des photos, donc je vais pas les montrer, voilà. Parce qu'il y a des photos de moi avec des potes et tout, donc je vais éviter de montrer. Voilà, donc en fait c'est que de la déco. Ça, donc ça c'est un truc de souffle, ça c'est un souvenir. Ça aussi. Voilà, en fait j'ai fait de la déco, donc la petite voiture et tout. Voilà, tout ça c'est que de la déco. Donc ensuite là il y a mon lit. Hein. Donc il y a mon lit. Voilà. Ensuite là, là il y a des chaises pour s'asseoir et tout. C'est super cool. Ensuite je voulais vous montrer un truc. Donc cette petite boîte les gars, c'est des souvenirs de vacances aussi. Franchement, ça c'est ce que j'ai acheté. Des coquillages et tout. Ça c'est des roches de montagne. Voilà, après voilà, c'est ce que j'ai eu en Angleterre normalement. Ouais. Voilà, hop, ensuite, donc là, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma chambre? J'ai une caisse, les gars, où il y a des Lego. Voilà, on va la sortir, hop. Donc là, c'est une caisse, il y a des Lego Minecraft, les gars. Donc en fait, quand j'avais vers 12 ans, comme ça, j'étais fan des Lego abusés. Donc voilà. Ensuite, là. Donc là, il y a un réveil. Oh, c'est cool, on peut voir dans le noir. Donc là, c'est mon réveil, les gars. Hop. Là, il y a ma petite lampe. Donc c'est un feu. Bah, en fait, il est vraiment assez stylé. Là, il y a mes dessins et tout ça. Voilà, ensuite je pense que le papier peint va aussi le changer, donc il est pas très ouf. Voilà. Ouais, donc là on peut voir donc la petite lampe Lego et tout pour faire hyper stylé au cas où quand je me lève la nuit ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc. Et voilà les gars, donc je vous ai montré ma chambre les gars. Donc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour les nouveaux ou nouvelles, abonnez-vous, activez la cloche des notifications parce qu'il y a énormément de monde qui s'abonne mais qui n'active pas la cloche de notification. Donc ça c'est un énorme problème. Tu vois la petite barrette avec la cloche là, vous mettez toutes les notifications comme ça vous pourrez voir toutes mes vidéos assez marrantes et tout ça avec ma tête de voilà. Lâchez un énorme pouce bleu et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.